Et yo tout le monde, c'est Adrador et aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour une vidéo sur World of Warcraft. Alors aujourd'hui ce sera un tuto gold farming mais en même temps pas trop. Aujourd'hui je vais vous apprendre à vous faire des expulsums. Donc les expulsums, c'est quoi? À quoi ça sert? Donc c'est une monnaie qui est liée quand ramassée, donc on doit la farmer sur chaque personne et c'est la monnaie qu'on peut récupérer grâce au déchiquetou tout mode 1 pour les hordes 2. Ou pour les alliances, je sais plus trop comment elle s'appelle, mais c'est un peu, c'est le même principe. Donc, pourquoi une vidéo aujourd'hui? Tout simplement parce que j'ai eu accès, enfin, donc sur mon perso, pour le casque 445 en ingénierie, et il demande 50 expulsums. Donc, j'ai trouvé un moyen assez rapide de les farmer. Ça demande un investissement pas très conséquent, environ, allez, 3-4 000 PO, pas plus, et vous recevez une pièce 445, donc franchement c'est assez worth. Donc là, aujourd'hui, donc pour faire les expulsums, vous aurez besoin de d'un couturier, donc rang max, et ce qu'on va faire, c'est tout simplement les brassards en lin battu par les marais. Alors, pareil, deux options, soit vous les craftez et vous les revendez, parce que ça demande 10 lins battus par les marais, un lin, c'est 3 PO. Donc là, par exemple, pour 30 PO, vous faites des brassards à 75 PO. Donc, c'est vraiment une marge de 45 PO, c'est peu. Si vous en faites 10, ça fait 450 PO en plus. 100, 4500, 1000, 45 000, etc., etc. Donc, c'est quelque chose qui peut être très rentable. Je sais que beaucoup de personnes faisaient ça au début quand les prix étaient mirobolants. Là, c'est encore d'actualité, ça marche toujours. Sinon, vous pouvez aussi faire les sacs, ça marche très bien. Mais là, vraiment, pour les expulsums, les brassards en tissu, c'est le must. Genre, niveau rapport qualité-prix, ça vous fait un truc, je sais pas moi, vous aurez besoin de décraft 5 brassards pour en avoir un. Vous allez devoir payer, c'est comme si vous payiez 150 PO un expulsum, vous en avez besoin de 50. Donc voilà. Donc tout simplement, ce qu'on va faire, c'est que par exemple, on va craft, donc, on va en craft 19, là j'en ai 19. Donc en plus vous pouvez les avoir en bleu. Alors je pense pas que ça change quelque chose que ce soit bleu ou vert. J'en sais rien. Je pense que le taux de drop ça doit être le même. J'ai pas fait les calculs. Mais bon. Après, pour moi, personnellement, j'ai eu plus d'expulsum avec des brassards bleus qu'avec des brassards verts par exemple. Le taux doit être un peu plus supérieur et encore. Enfin bon. Du coup, je fais une petite vidéo parce que ça faisait longtemps. Je pense que les expulsums, ça restera toute l'extension. Je veux dire, c'est quelque chose d'important. Et là, c'est vraiment un bon moyen de s'en faire. Je reviens vers vous aussi parce qu'on a donc atteint les 557 abonnés à l'heure où je vous parle. Ce qui est énorme. J'étais à 200 ou 280 ou 300 abonnés il y a de ça 2-3 semaines. Enfin, j'ai connu une ascension assez fulgurante. J'espère que ça va se poursuivre donc avec la sortie du WoW Classic. Donc le 27 août. J'espère que. Ouais, je vais exploser le compteur, je vais passer à 1000 abonnés et plus, parce que c'est vraiment mon objectif, c'est d'atteindre 1000 abonnés. Et je vais essayer de proposer du contenu un peu plus. Comment dire? Ouais, pointé, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Un peu plus sélectif, voilà. Par exemple, sur Classic, je vais vraiment me lancer sur donc le gold farming. Donc, faudra pas s'attendre à des sommes mirobolantes comme 100K. Non, là, ça va être plutôt des sommes entre 2-3 PO qui est déjà énorme pour classique. Par ailleurs, j'espère vraiment que les prix vont pas augmenter. Je veux dire, les joueurs, j'espère qu'ils vont pas mettre par exemple des LQ violets à 2000-3000 PO parce que personne, mais vraiment personne ne pourra les acheter. L'économie du jeu va se refaire complètement. On va tous repartir avec zéro. Donc va falloir investir. Les prix vont être bas parce que justement. La seule façon de se faire des PO, ben, ça sera les quêtes. Looter des objets qu'on revendra aux marchands. Et ce sera tout. On pourra pas se faire de. On n'aura pas des PO en avance. On pourra pas mettre des prix à 300, 400 000 PO comme pour les LQ maintenant. Donc c'est très important que les gens comprennent que mettre des trucs à 2000 PO, ça servira mais absolument à rien. Ils vont payer en plus la commission de l'HV, donc ils vont encore perdre des PO. Donc je pense pas que. Je pense pas. Que c'est worth pour eux. Donc voilà. Donc on a terminé les brassards. Vous voyez, ça a pris genre vraiment 30 secondes pour craft les 19 brassards. Ensuite, vous vous retrouvez là.
On met tous les brassards, tac 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 tac. Et recyclage, on attend. Donc là, en recyclant donc des brassards, on reçoit donc les composants, exactement les mêmes composants, donc des filons, des fils de nylon, des lins battus par les marées. Donc ça vous permet en plus d'en recraft par-dessus. Donc c'est vraiment utile, vous voyez, un expulsum en 9. C'est pas dégueu. Donc des fois vous allez en avoir 2, 3 pour 9, des fois vous allez en avoir 0. Faut pas avoir peur, hein. Voilà, encore un. Encore un, ça fait 3 en 18 pour l'instant, 4 en 18. Voilà, 4 en 18. Vous voyez, ça m'a pris 30 secondes, je me suis fait 4 expulsums en 18 brassards. Alors, soit vous achetez donc les lins, vous faites les brassards, vous faites de l'expulsum, soit il y a un marché à se faire, vous passez en slash 2 par exemple, vent LQE vert 100 PO unité ou vent LQE violet, LQE bleu 150 PO unité. Les brassards, ça vous a coûté 30 PO. Vous faites 120 PO si c'est un bleu. Vous faites 45 PO. 45, vous faites 70 PO si c'est un vert. Voilà. Le mec, il va vous en prendre, je sais pas moi, peut-être 15, 20. Vous allez peut-être vous faire, je sais pas moi, 1000, 2000 PO. Mais c'est déjà ça, vous aurez rien fait. Vous allez le faire en une, 2 minutes maximum. Et puis voilà, c'est de l'argent facile. L'expulsum, c'est quelque chose de très important. Donc pour l'extension, surtout si vous voulez être opti avec du stuff 445, que ce soit ingénieur, couturier, travail du cuir, forgeron, tout le monde en a besoin. Et si, non, si, les alchimistes aussi, ils en ont besoin pour faire la pierre, je crois. Les calligraphes en ont besoin, c'est sûr. Donc voilà. Donc ça, c'est un commerce à se faire. Je vois souvent des personnes qui vendent des LQE 100 PO unité vert sur le slash 2 d'ailleurs. Les LQE bleus 150 PO aussi, ça part très bien. Donc c'est un commerce que vous pouvez vous faire. Moi, c'est la vidéo, c'est plutôt pour parler des expulsums. Après, libre à vous de choisir de vendre les brassards, hein. Ça marche très bien. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc oui. Donc on a passé le cap des 500 abonnés. Du coup, je pense et je suis sûr même que je vais faire un giveaway pour les 500 abonnés. Je vais faire gagner donc une monture. À nouveau, comme parce que c'est le plus simple pour moi, les mascottes, tout le monde n'aime pas les mascottes, donc voilà. Une monture, c'est un peu mieux dans le sens où chacun fait ce qu'il veut avec. Il la vend, il la garde. Puis une monture, c'est quand même plus esthétique que les mascottes, hein, on va pas se mentir. Je suis pas très fan de mascottes. Moi, je collectionne juste pour les Ophées. Une fois que j'ai les Ophées, que j'ai la mascotte du Ophée, je les revends. Hein, je me fais pas chier. C'est pas que j'aime pas faire les combats, mais c'est j'ai pas le temps, ouais, je vais pas vous mentir, j'ai pas le temps. Donc là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire gagner comme monture? Bah, vous savez quoi? Je vais faire un giveaway de la fiole des sables. 80 000 PO, la fiole des sables, je l'avais pas avant. Je m'en suis craft une pour moi et je peux vous dire que ça change la vie quand vous avez quelqu'un qui peut pas voler avec vous, quand vous donnez un coup de main par exemple. Du coup. Fiole des sables pour les 500 abonnés. Il y aura un gagnant cette fois-ci. Le tirage au sort, je le ferai. Pop, 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 pop. On est le 18. Bah écoutez, je laisse jusqu'au 25 août. Donc je le ferai le tirage au sort vers 21 h. Je contacterai le gagnant donc en MP sur YouTube. Mais bon, le giveaway des 500 abonnés, ce sera une fiole des sables. J'espère que ça vous plaira. Alors beaucoup de personnes ont la fiole des sables, mais c'est pas grave, vous la revendrez. Je pense que ça partira très bien. En plus, 80 000 PO, c'est. C'est pas dégueu, hein. C'est vraiment pas dégueu. Du coup voilà. Donc pour participer, comme d'habitude, faut mettre un commentaire donc sur YouTube parce que je fais le tirage au sort avec les commentaires YouTube. Donc m'en voulez pas si je réponds pas à vos commentaires. Je les lis, j'essaye de vous MP si je vous ai en ami Battle.net. Voilà parce que si je commente, bah, le tirage au sort il va aussi compter mes commentaires et moi. J'aime pas trop ça. Je préfère faire un tirage au sort. Le gagnant y récupère son loot. Et voilà. Terminé. Je vais être clair et tout. Pas de chichi, pas de blabla. Donc voilà. Du coup, un commentaire. On met un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. On s'abonne, très important aussi. Parce que plus, forcément, plus il y aura d'abonnés, plus il y aura de giveaway. Et voilà, c'est tout. J'espère que vous passerez une belle journée, une bonne soirée. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!